direct dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Un plaisir. Une autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole et haïtien. Donc, merci d'être branché à le ça. Donc, nous, quelques grands points Cap Dominique actuelle. Il y en a pour Cap Dominique actuelle. C'est pays d'Haïti à Paris pour recevoir un nouveau contingent. Il y a un groupe de policiers jamaïcains qui t'a supposé entrer dans le pays à côté pour le rejoindre. Et 380 policiers pays Kenya qui ont même déjà sous place dans le cadre de mission multinationale maintien sécurité dans le pays d'Haïti. Et puis, et l'autre point dans l'actualité, il y a une confrontation qui a été faite entre et ancien directeur BNCA, en parlant de M. Raoul Pierre-Louis, avec trois membres CTPA. Qui yon même et en bas accusation de ce que yon ta mêlé nan corruption. Et avocat M. Pierre Luyo fait connait que li même li pap pralé tout le temps M. yon pa démissionné. Quel est le grand point Cap Dominique actualité? Et Jamaïcain a rejoint un policier pays Kenya yo, mission multinationale pour appui sécurité en Haïti. Toujours dans le pays d'Haïti, avocat ancien président BNC Raoul Pierre-Louis boude confrontation qui te gain pour te faite BNC Raoul Pierre-Louis boude confrontation qui te gain pour te faite entre client nan ak trois membres conseil présidentiel transition qui en bas accusation corruption. Activité électorale aux États-Unis gagne un gros course garçon ak fi dans l'élection présidentielle yo qui gain pour dérouler 5 novembre nan entre Kamala Harris ak Donald Trump. Et puis Pérou décrété 3 jours de deuil national après la mort ancien président Alberto Fujimori dans Lima. Il était gain 86 ans. Donc il y a quelques problèmes techniques qui arrivent là qui empêchaient que nous étions des grands points cap dominer actualité à et bien ici aux États-Unis et bien c'est toujours activité électorale mais gon course cap fait pour qu'on ait et bien entre garçon et femme qui est-ce qui yo même cap plus déterminant dans yon victoire pour élection qui gain pour dérouler 5 novembre et cap vini là. Donc, tant qu'on te dit, confrontation pas réussi faite et entre ULCC, entre trois membres de CTPA qui ont même eu une accusation corruption et avec Monsieur Raoul Pierre-Louis qui est ancien directeur BNC, ben avocat lui dit que ben faut y goumer à même quantité d'âme parce que Monsieur ça est même il est toujours chef, il est membre conseil transition conseil présidentiel transition alors que lui-même il était retiré dans fonction, il dit que convocation ISCCA qui invitait Raoul Pierre-Louis n'a en confond. Yeah. Toujours gagné un problème technique n'a pas gagné pour nous tabler contact avec Port-au-Prince pour nous connaître qui Jean est-ce que mon arrivé. Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince sous scandale BNCA. LCCA qui invitait Raoul Pierre-Louis dans une confrontation avec conseiller présidentiel Emmanuel Vertilea, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles et Onad Fontaine. Avocat OSA comme une mise en danger pour dénonciateur. Dans le contexte, avocat a jugé inapproprié pour exiger une telle confrontation, d'autant plus que conseiller présidentiel en question est toujours en poste, ça qui est capable de porter atteinte à l'intégrité processus la justice là. Avocat Raoul Pierre Rio mandé pour conseiller qui gagne accusation sous doyo démissionner immédiatement pour permettre une enquête sans fausse côté et garantir sécurité client yo. Yo estime tout conseiller ça yo pas qu'à invoquer présomption innocence pour capable kembe tête yo en fonction parce que ça risque nuit à crédibilité investigation qui en cours. A fait ça, li déjà secoué plusieurs secteurs politiques, notamment parti aidé qui a traversé une crise en interne. Accord 21 décembre, qui joint support certaines fractions, mais lui-même tout li fragilisé. Dans l'intervalle, une solution à problème ça, gagne des partis tant que Petite Dessalines qui mandé plus temps pour le capable prononcer. Dossier corruption continue à faire actualité, ça qui révélait tension dans mitan institution politique pays d'Haïti et qui mettait en lumière défi persistant qui lié à impunité et corruption à haut niveau en de pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.
Merci Yves Manuel, toujours sous même dossier. Acteurs politiques haïtiens yo aptan sans perdre du temps. Résultat enquête ULCC a mené sous scandale corruption qui impliquait 3 membres Conseil présidentiel transition. Nous gain sous place n'importe prince ou en Toussaint qui lui-même a dit nous plus de dossier ça. Donc Renan Toussaint et lui-même l'a gagné pour parler plus de dossier ça. Fon dit tout que nous-même pas bon ici nous te recevoir et en parlant de France Duval, mais avant d'aller en France Duval, nous pas rejoindre Renan Toussaint. Une institution importante que toutes yeux braqués sur lui par rapport à l'enquête l'a mené sous dossier scandale corruption qui impliquait 3 membres du Conseil présidentiel transition. C'est Unité Lutte contre Corruption ULCC. C'est une démarche qui provoquait en pile controverse dans mitan acteurs haïtiens yo, parmi yo Evans Jean, qui c'est président structure connectée Haïti, captain résultat enquête là. ULCC dans un peu de temps li a délivré un résultat en fonction de l'enquête qu'elle menait hein, pour le prouver avec nation hein, et avec l'autre instance qui là pour d'après des décisions. Est-ce que monsieur yo participé ou du moins yo gon cob ki nan men ou yo trempé nan yon quelconque corruption nan pran l'argent nan men président et nous capable di conseil BNC a. Maintenant et connecté à ici li pa la justice li pa ULCC mais li c'est nous capable di société a atteint nos résultats même gens connecté atteint yon résultat. Bon côté parle, maître Valérie Dutré-Jacques, qui fait partie bloc équilibriste pour yon sauvetage sur accord 21 décembre, qui prend naissance 9 septembre 2024, pour synchroniser intérêt bloc yo, dans l'idée pour redorer blason, tout acteur 21 décembre yo, dit y a assumé responsabilité yo par rapport à dossier ça. Et c'est le droit qui a triomphé, c'est pour une enquête sérieuse qui pour permettre que lumière capable jaillir. Pendant que 21 décembre, la prend responsabilité li, sans état d'âme, aux yeux bandés, pour lui capable faire que lumière jaillir parce que son dossier qui pratiquement qui mettait la République en état. Et toute option sous table, parce que je dis à ces pays la pensée, ne pas qu'à penser pays sous bas du sentiment, sous bas du chapelle, mais de penser pays avec une dimension homme d'État et de femme d'État qui pour permettre que nous retirer pays en otage par rapport à contexte, par rapport à dossier ça, qui bloquait tous différents chantiers transition. Or, transition ça, son transition qui doit réussir par rapport à problème que pays a gagné là. Je dis à maman, papa, petit. Par contre, qui j'en pourrais faire pour vous et petit à l'école? Gagne libre circulation qui pas garantie. Bref, son pays qui gagne pile problème et transition ça, t'as dû mener pays à vers normalité, vers des élections libres, honnêtes, inclusives pour doter pays à de nouveaux personnels politiques. Trois personnalités dans conseil présidentiel transition qui indexé dans scandale corruption. C'est Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Ventiler et Smith Augustin, Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, c'est un dossier que nous avons suivi pour vous, parce que toujours gain un pile rebondissement dans la question. Ça, nous parlons dans Port-au-Prince, côté nous parlons rejoindre Massiado Vilme, qui trouve dans Port-au-Prince, côté, et Port-au-Prince a accueilli un nouveau contingent, un nouveau groupe et policier jamaïcain. Massiado, qui s'est passé? Oui, Massiado, dis-nous non, qui s'est passé? Est-ce que, effectivement, policiers jamaïcains ont entré dans Port-au-Prince? Justement, Jacques Belizer, tant que ça a été annoncé, eh bien, il était environ 4 heures, les avions, gaz-pot américain lui-même, il était débarqué sous l'aéroport de Sylvester. Eh bien, comme nous sommes nos premiers contingents et pays jamaïques lui-même employés dans sa mission multinationale, soutien à la sécurité dans le pays d'Haïti, comme nous sommes, c'est environ 27 policiers militaires même qui débarquent dans le premier troupe là. Et parmi eux, il y a gagné 2 policiers militaires et pays Belize qui viennent tout dans le groupe et dans le troupe là, Jacques Belize. Donc, est-ce qu'il y a une cérémonie qui accueille la fête et qui j'en sais?
justement parce que nous avons déjà la police là, Domine Rameau, accompagné ensemble avec le commandant en chef mission, Otenge, c'est eux-mêmes qui étaient là pour venir accueillir les troupes là. Gagner tous quelques représentants ambassade américaine que nous sommes capables de remarquer tout l'espace là pour être capable vraiment accueillir monsieur. Pour qu'on y a jusqu'à date, nous toujours sous Tamak aéroport, tout c'est l'ouverture. Gagner, comme c'est passé, salutations qui a fait entre et policiers pays Kenya ensemble avec policiers et bien militaires et pays Jamaïque dans moment n'a pas là ensemble voilà là Jacques Médic. Et qui a couverture là et donc un pays journaliste étranger haïtien cap couvrir et arrivé ça. Oui, j'en dis à gagner plusieurs journalistes qui sous place cap couvrir événement là. Comme nous disons que c'est vrai, c'est le premier contingent que le pays Jamaïque lui-même livre ici en Haïti, puisque nous connaissons nos jours passés, et le premier ministre du pays Jamaïque là, n'a parlé de Andrew, lui-même lui a fait connaître ses 200 policiers ou bien 200 policiers avec militaires et Jamaïque a gagné pour voyer dans cette mission multinationale là. Mais pour aujourd'hui, c'est environ 24, dans 24 là, nous avons gagné tous des policiers pays Belize, policiers militaires pays Belize qui là. Mais selon l'information qui t'arrive de nous, policiers pays Belize, eux-mêmes, ils sont là pour être capables de faire advance pour tout qui t'a venu dans le jour qui a venu au Jacques Belize. Merci, Massado Vilme. Massado Vilme, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui tape par les noms de arrivée policier Sayo qui sorti dans le pays Jamaïque. Et d'après information que le banon, eh ben, parmi policier Sayo, gagné et deux policiers qui sorti dans le pays Belize, c'est la première fois tout que, eh ben, gagné policier qui pas de nationalité pays Kenya qui rejoint une mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Donc, et dans le moment, on a parlé là, il y a pratiquement trois nations. Il y a Kenya qui est en tête mission, et puis il y a tout, et pays Jamaïque qui voit policier, et puis il y a Belize qui voit tout. L'autre point d'actualité, aujourd'hui, on te recevoir et visite rédacteur en chef, le nouveliste Franz Duval, qui souhaite participer à nos réunions, Banque Interaméricaine Développement. Il était abordé plusieurs et gros dossiers avec nous, notamment crise économique dans le pays d'Haïti, avec considération sous loi qui est le Hope Help là, et Franz Duval. Que nous parlons d'avancement pays, avancement économique, fort problème de sécurité à résoudre. Même dans la réunion, ça a fait quelques mois après que la commission multinationale d'appui à la sécurité a déployé. Alors, dans la réunion, par contre, qui pas pour faire avant? Est-ce que faut que l'économie vive toujours ou est-ce que faut sécurité à établir net? Alors, il faut faire tous deux. Il faut essayer d'établir la sécurité, je dis bien essayer parce que pour le moment, on n'a pas réussi. Pour le moment, pourquoi que j'aime une grande victoire, on va dire que la force de sécurité est faite, mais en même temps, il faudra quitter l'économie en moulinette. Parce que l'économie, on essaie de choquer la peine. Sous quitter le moulinette, on ne peut pas réanimer. Il faut continuer avec mon petit espoir, et mon petit espoir, ça, c'est aussi à voter loi OPL. Son espoir lié, c'est bon solution, mais son espoir lié. Mais effectivement, question de sécurité, il ne parle pas tout. Tout le monde reconnaît que faut bon. T'as qu'à dire des résultats concrets. Mm-hmm. Parce que le bail qui manquait depuis que le gouvernement CPT, PM qu'on est en place, il n'y a plus de pas de fait, pas de plus de résultats de bail. Franz Duval, c'est rédacteur en chef, le nouveliste dans le pays d'Haïti. Donc, suivez la programmation nous parce que nous avons pour diffuser l'intégralité. Interview ça à côté que nous abordons plusieurs points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti ou sous VOA Créole. Merci d'être branché dans le moment ça. Merci d'être que vous été branché. Actualité à actualité internationale. Nous prenons l'actualité électorale ici aux États-Unis. Dans un moment, gagné un écart entre électeurs garçons et filles ont écart cap élargi aux États-Unis. Est-ce que mesdames yo pral aider Harris remporter la victoire? C'est ça, Sandra Le Maire a pral garder avec nous dans le programme ça. Depuis 1984, plus filles passent garçons voter dans l'élection présidentielle américaine. Et pour plus fort, ils votent plus pour démocrates passent républicains. Entrée sans attendre vice-président Kamala Harris dans la course après président Joe Biden by vague, semble by groupe électeur ça j'arrête.
We have seen a pretty significant shift. Nous constatons un gros écart parmi en pile démographique, mais surtout les dames qui ont plus de chances qu'on y a pour voter pour démocrate qui n'ont pas de ticket parce que j'en étais avec Biden. Année électorale, ça a à peu près une sur cinq femmes dit droit pour faire dilatation. C'est question claire. En 2022, juge Cour suprême que président Donald Trump t'est nommé et d'éliminer droit constitutionnel pour filles jetées petites. Trump voulait pour chaque État décider pour contre eux. Harris voulait loi fédérale pour protéger droit pour mesdames faire avortement tout partout. She's trying to create a world where les dit la PC créer un monde côté monde gain droit prendre décision pour gérer yo choix pa yo droit femme. Les dit moi même message li représenter peuple là qui c'est classe moyenne classe femme et puis loi sous loi femme. Laws about women's rights. Parmi électeurs femmes, dernier sondage indiqué Harris devant Trump par entre 9 à 13 points. Gain a lot of younger women. Les ramasser en pile jeunes femmes qui indépendants qui gagnent moins que 50 ans, en pile gagnent moins que 40 ans et au comptant à candidature. Who really got excited by her candidacy. Black women are a lot more likely to vote for Harris. Les femmes noires gagnent plus chance pour voter pour Harris que les mesdames Pagnolio. Donc nous voyons les plus populaires à groupe racial précis ou bien électeurs qui éduquent eux, qui ont pile filles qui appuyent et ça cause des changements. Women, that is really where that shift is coming from. Électeurs Sayo, non Georgie, avec Montana, appuyaient Donald Trump. First, her being the candidate, premièrement, le fait Harris est candidat, c'est un bagage horrible pour moi parce que il pas paré pour le président. First of all, she's not prepared to be president. For months, we would barely ever see Joe Biden. Dit sans attendre, Kamala Harris vient candidat présidentiel démocrate là, alors que il pas t'apprend le nom même du tout. Il paraît sous nous comme ça. Parmi jeunes gens, Gen Z, majorité garçons qui ont moins que 27 ans, favorisaient Trump, d'après son 10, David McLennan. There has been an increase in terms of the admiration en ce qui concerne l'admiration quelques jeunes garçons Gen Z pour fanfare. C'est une cause macho. A macho punch him in the face kind of thing. McLennan dit, jeunes messieurs socialisés sous politique, mais en ligne, côté autant des opinions négatives sous leaders familiaux. So they believe that women can't make the tough decisions. Les jeunes femmes pas prendre quelques décisions difficiles, par exemple si États-Unis t'a obligé faire la guerre ou bien faire face avec une crise internationale. Le pas quoi mesdames qu'à prendre décisions difficiles comme ça. Make the tough call. Mesdames Blanchiot a joué un rôle clé dans la victoire Trump en 2016. Majorité femmes blanches ont voté pour lui en 2020 tout. Dans le coup ça, dernier sondage a montré Harris et Trump égal égo parmi mesdames blanches. Reportage Dora McQuarrie, traduction Sandra Lemaire, VOA Créole. Toujours dans l'actualité internationale, après un débat bouleversé à gros manifestation qui était fait responsable déplacé rencontre Sénat mexicain approuvé, une proposition qui fait gros palais en pile. Président sortant, en parlant de Andrés Manuel López Obrador, eh ben, il fait pays à tourner premier pays dans le monde là qui permet électeurs et les juges. Gentil Augustin Junior. Manifestation yo continue dans capitale la Mexico. Après Sénat fin adopté yon réforme nan constitution qui fait parole en pile. Côté Mexique, c'est premier pays qui permet citoyen yo élu juge yo et gen nan juge sa yo ki nan Cour suprême nan. Malgré avertissement comme quoi ka gen attaque ki la cause système justice la perdit nan indépendance li. Se mitieron un total de 127 voix, 86 en faveur document, 41 contre li et tout sénateur yo te voté. Ça qui te bay majorité qui nécessaire pour approuver projet loi. Plusieurs centaines manifestants envahi building Sénat mexicain madia comme protestation contre réforme tête chargée qui fait dans système justice là. Que président sortant zèle gauche Andrés Manuel López Obrador Devlé. Président dit, vamos a... nous pral pousser pour pi devant dans Mexique. Et puis, nous pral bay tout monde là yon exemple après nous plus que démontrer que système justice là pas bay justice.
li te kontinye pou di. Los jueces con honrosas excepciones. Jiz yo, eksepte kek jiz respektab, magistra yo, minis yo, apsevi yon minorite rapas ki lage tèt yo nan piye peyi ya. Reform sa ap mete tansyon nan Meksik, menm kote manifestasyon yo, fèt chak jou, depi plizye semen. Alejandro Flores, yon employe servis judisye sonara di. La gente non apoye esta reforma. Sitwayen yo pa sipote reform sa nan kondisyon ke gouvenman te propose li ya. Se pa ke sitwayen yo vin radikal, yo selman mal informe paske an pil moun pa konen tout detay sou koman sistem jistis la fonksyone nan peyi nou an. Plizye dizen manifestan te rassemble devan Senat mekredi pou proteste kont aprobasyon lwa san nouvel yo pa rapote oken insidan. La jistis pa pral tombe, li pap tombe, se sa manifestan yo tap chante. Pami yo, si tou otorite nan la jistis yo ak etidyan la lwa yo. Detyen nan Senat, ke pati ki sou pouvwa Morena aliye li yo domine apouve dokiman. Kounye ya, proje lwa ap tann aprobasyon palman yo nan o mwen 17 eta. Sa, ki pa semble pral bay problem paske Morena kontrole plis pase detyen nan palman sa yo. Moun ki kontre fòm nan kwenke li pral febli independans jij yo. Epi, fè yo feb devan presyon soti nan krim organize. Janti Augustin Junior, VOA Creole, Washington. N'a pas toujours dans région Amérique latine côté Pérou décrété deuil national après la mort ancien président Alberto Fujimori dans Lima. Marie-Louis Pierre, quel détail. Alberto Fujimori, héros national. Alberto Fujimori. Ancien président Pérou Alberto Fujimori qui était dirigé croissance économique pendant l'année 1990, mais qui en après, il était mis en prison pour abus de monde qui soutient dans la guerre qui était fait en pile sans couler contre Bel Mauricio, mourit mercredi 11 septembre, il était gagné 86 ans. Collègue Prochot était visité le Pibonneur dans la journée, il était rapporté qu'il était dans une condition critique. Après une bataille longue à cancer, papa nous fait partie à rencontrer Seigneur. D'après sa petite fille Keiko Fujimori, a écrit dans un message sur X, l'optimum ancien leader a été signé. Médecin Fujimori José Carlos Gutiérrez dit, ingénieur Fujimori mourit avec cancer dans la langue, c'est diagnostiqué. Il mourit avec une condition qui a été diagnostiquée dans le mois février et le mois mars Anessa. Il mourit avec complications à cause de maladie et puis effet secondaire traitement que l'été recevoir pour un monde qui gagne 86 ans. Fujimori, ce petit garçon immigrant japonais, c'était chancelier yon université agriculture. Il était élu dans le bureau dans l'année 1990. Il était bien vite établi tête li comme un politicien malin, bien style pratique, qui débat les résultats même le était fâché contre critique parce qu'il était concentré pouvoir. En pile, partisan Fujimori qualifié comme un héros national. Un partisan Fujimori dit, je sais que millions et millions de Péruanos, on connaît plusieurs millions de Péruviens, sous la côte, avec Monio, à crier, journée jodia, de changer l'histoire avec destin Pérou. C'est ça l'absurdité jodia. Défunt Fujimori était fait dans Lima, un jour indépendance Pérou, la date 28 juillet 1938, les mourir à 86 ans. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Actualité a mené nous connaître dans la région Moyen-Orient, côté à la tête commission droit monde dans l'ONU, Volker Türk déclaré lundi à que c'est une priorité absolue et les urgents pour mettre fin dans la guerre dans Gaza et puis éviter un conflit régional total. Serge François Michel. We know that wars spill over. Nous connaissons la guerre qu'on débordait Kadio et qu'on traversait dans la génération qui a venu et consolider plusieurs générations raïssement si pas qu'une solution pour cause qui n'a racine. C'est ça Türk dit dans la session au Conseil droit monde dans Genève. Il dit, c'est triste pour me dire, la guerre Gaza, c'est un exemple qui n'a sans causer n'a pas les là. Türk soulignait, Jean attaque Hamas sur Israël, là, t'es terrible. Et ça qui est terrible encore, d'après lui, c'est déplacement, 1 900 000 monde dans Gaza. Et puis, Hamas qui kembe en otage, Joukounila, 101 Israéliens dans Gaza. Et puis, qu'aucune opération, tout le monde, et puis détruit toute bagaille dans Cisjordanie. Et tout ça,
C'est une situation calamité qui a vint plus grave. L'armée Israël a rapporté lundi, il a lancé attaque pendant la nuit sur quelques buildings et sur site lancement militant Hezbollah qu'on utilisait dans le Liban. Dernier laissé frapper sous des bords frontières en décan qui soulevait crainte pour la guerre, pas tourner un conflit régional pillage. L'accueil voisin en Syrie, média l'État dit lundi, quelques frappes qui semblaient à sortir dans le camp Israël, tué pour plus petit 14 monde et blessé 40 autres. Frappiot et visé site militaire dans le centre Syrie, d'après rapport. C'est rarement Israël parler sur attaque li fait dans Syrie. Côté li dit, li pas pour permettre l'Iran gain présence dans Syrie, qui c'est une route clé pour voyer les armes iraniens aller joindre Hezbollah dans Liban. Premier ministre Israël Benjamin Netanyahu est sémanté dimanche là pour lui continuer la guerre contre militants Hamas dans Gaza. Pendant conflit à entrer dans le 12e mois, li, côté li dit, pays li, gain une idéologie assassin qui gagne en tête li, c'est Netanyahu relé axe méchanceté Iran qui encercle les États-Unis, Qatar et Égypte passé des mois côté à chercher joindre encore pour camper guerre et puis retourner otage aux familles. Mais négociations auraient été bloquées. Il y a marqué pas en place. Serge François Michel, VOA Creole. Nous, dans le pays d'Haïti, dans le cap haïtien, deuxième ville pays, il y a un gros escroc pété entre parents yon défunt et propriétaires yon morgue privé après parents défunt. T'es fin constaté brutalité qui t'a fait sous cadavre. Détail avec correspondant nous, Gérard Maxino. Gros escroc pété entre parents yon moun qui mouri et propriétaires yon morgue privé dans la ville cap haïtien. Bouche l'ouvri s'arrivé après parents moi. Te fin constaté plusieurs parties nan komoa krasé en pile. Parent ou fait quoi? C'est pas un accident, moun nan te mouri. Maître Mogla déclaré cependant il travaillait à habiller moi et puis mais le passé bon j'ai li pendant famille moi venu qu'on a été ensemble avec dans bureau c'est moi même qui ordonné pour aller moi pendant même hier moi qu'on a moi même m'ba explication m'était déjà dit qu'on est moi son monde qui était mort longtemps si nous était mort depuis 4h du matin qu'on a yo vinn avec au cap à 8h du soir il bat un paquet de soleil m'dit on dit que pour moi fin pendant a mettre rade sous moi mais on travaille pour moi bon Dieu. C'est pour moi qui est aussi grave que ça. Les ovins me disent bon, pas un problème, mais ça passe, mais ça passe. Et ils ont constaté le tout. Pendant ils ont constaté qu'on a demandé, ils me disent bon, pas un problème. Nous-mêmes, nous avons pris une décision, nous voulons prendre. Au contraire, c'est moi-même qui te dis si nous sentons doit nous léser, nous allons toujours prendre l'autre chemin. Qu'on y a de là étant, c'est par rapport à couille monter, couille descendre. Qu'on y a ovins me disent bon, ils ont pris et fait constat. On dit bon c'est ça me dégueulant dit nous dégueulant nous prenons juge de paix pour nous faire constat pour éviter parler pour éviter discussion parce que discussion va mener une pièce côté propriétaire Moxa dit Jean de brutalité ça ou tant coup pied cassé mais avec GPT pas jamais rivé. Voilà, c'est là nous mettez fin dans le programme. Merci pour attention, merci pour fidélité et journée jeudi 12 septembre 2024 ça
T'as appuyé qu'il y a un contingent et Jamaïcain qui est entré dans le pays. L'aime dire contingent Jamaïcain qui est entré dans le pays. N'a pas les deux 20 soldats à l'armée jamaïcaine, selon l'information, yo. Et, a bien 4 officiers police dans le pays Jamaïque qui a fait partie et contingent jamaïcain, ça, yo. Et n'a dit que 24 andi et hommes de armes militaires ou policiers jamaïcains qui a entré, yo. Yo prévin complété, ajouté sous, et 380 combien, officiers kenyans qui déjà là, et dans quatre missions multinationales soutien sécurité à Haïti en désir venesse. Parce que, pas oublier, véritable objectif, non? Eh bien, c'est arriver établir sécurité en d'un pays, hein? Côté que la police nationale d'Haïti mettait avec l'armée d'Haïti un support avec appui, j'ai dit, en mission multinationale soutien et sécurité à Haïti. Pour arriver à établir sécurité en d'un pays, hein, permettre que la vie capable de reprendre, moun capable de fonctionner comme ça droit, si moun capable d'aller à l'école comme ça droit, étudier capable d'aller dans la faculté comme ça droit, c'est-à-dire la vie capable de reprendre normalement et machine capable de circuler comme ça droit, puisque, pas oublier jeudi en là, il y a plusieurs années, depuis gros axes routiers pays, hein, qui c'est route sud là et route nord pays, hein, pour me dire Matisse Fotamara et Canarin, yo bloqué. Et qui est-ce qui bloqué yo? C'est de criminels armés, c'est de bandits armés qui ont même bloqué espace ça yo. Et ça fait jusqu'à présent des Irvenes. Les que moi li, moi gardé, moi tendé, réaction en pile là, compatriotes haïtiens qui à l'étranger et haïtiens qui en Haïti yo, gen bagay ke yo dit que moi-même, moi t'as tout à fait d'accord avec yo, parce que yo dit jusqu'à présent là, yo poko wè rien de sérieux qu'a réglé, parce que et tout chef gang yo toujours dans base yo, y a pran plaisir yo, y a jwenn l'argent yo, y a réglé les affaires yo. Et en plus de ça, grand axe outil New York comme ce qui c'est Matisse Fotamara poko débloqué pour moun capable circuler, qui donc pour yo même yo poko senti vraiment ça la police dit a fait, hein, qui c'est opération qui y a mené pour capable dénicher, démanteler bandits criminels armés des Sivonès. Bon, c'est vrai, parce que jusque là, m'ka d'accord avec Mounio, parce que yo même, yo d'accord que madame Sarayo, qui yo même c'est un gros morceau dans l'économie paysan qui bloqué, qui va quatre traverser, et Matisse Fotamara, et qui va quatre traverser tout national numéro 8 là, qui va quatre traverser dans niveau Gonaïve, en zone Tirivière, zone Savier, toute zone Sayo, yo trouvé que c'est des situations qui montrent clair que réalité, hein, dans ça l'État dit, hein, dans ça la police a dit, hein, mais yo poko senti, poko senti aucun impact sérieux dans dossier et de résoudre question insécurité. Des égards amis qui dit, et puisque nous sommes avec la guerre dans ma onze, amis ont dit, mais Blaise, ou pas qu'à faire comme ça, avec le championnat en bas d'Elma. Même là, même moi, je pose des amis à pied sur ça. Et, avec le café championnat, pour demander le qui côté exactement championnat ça a fait. Mandel tout, depuis la police dans mes opérations au niveau bas d'Elma, est-ce que championnat a fait, est-ce que Mathieu joué? Il faut poser des questions, oui. Est-ce que Mathieu joué? Est-ce que championnat a fait? Est-ce que c'est pas dans la zone anti-Lassalle de notre côté encore? Parce que, pas oublier, avec opération la police, la mer menée dans le niveau Badelma, est-ce que ça mettait barbecue, ça mettait équipe liée en confiance pour qu'ils soient capables de faire Mathieu? Faut regarder ça. Faut questionner ça, oui. Nous, quand on ça, barbecue, t'es plus présent récemment, n'a fait un ensemble de petites vidéos. Ou après, qu'on y a, il diminue, il réduit dans petites vidéos. Et ou kawe tout, ISO et pas trop fait vidéo, peut-être m'a une stratégie, monsieur yo. Mais monsieur est certain que nèg yo a veillé, hein? Nèg yo a veillé parce que ou pas connait qui joue qui les qui moment que force de l'autre capable envahir vraiment et yo capable prendre non situation. Elle dit, je dis là, pas aucun chef gang là qui pensait que capable l'ouvrir col, capable faire l'école par rapport avec gens que. Yo pas connaît cette situation, hein? Je que vent a vinn jwenn yo. Elle dit, y a questionné, y a étudié, y a travaillé chaque jour. Yo pas connaît qui gens, vent opération, hein? Vent résolution par rapport avec question de sécurité après vinn jwenn yo. C'est-à-dire, je dis, hein, tout le monde dit armé yo, yo tout prudent. Yo n'est que tellement prudent, n'est que pas vraiment mettre pied à terre. Peut-être, et stratégie n'est que pas connaît. Mais pas oublier tout, stratégie ou pas, ça pour connaît. L'État, c'est lui-même qui a monopole violence légitime, non? C'est l'État qui a responsabilité pour y établir sécurité dans le pays.
quel que soit télé X ou télé Y ou télé Z ou télé M ou télé P, l'État dans tout compartiment, l'État dans niveau tout compartiment qu'il a yo, c'est à lui-même qui a responsabilité pour établir sécurité en notre pays pour qu'il capable fonctionner comme ça doit. Et je dis ça que nous dit, quel que soit le conseil présidentiel yo, quel que soit le PM Gaïkouni, quel que soit le DG Ramon Amine, quel que soit le état-major Lameyan, yo qui obligation de travailler pour la sécurité en avec mission multinationale non. Je dis hein, mais que ça clair pour tout le monde. Rivé et monsieur l'armée Jamaïque, est-ce que ça va permettre que encore effectivement augmenter? Oui, mais est-ce que vous pouvez arriver vraiment dans le combat qui mettez au bon côté la police, là, bon côté l'armée, dans aider résoudre ça de la commune sécurité? Et pas oublier de travailler là. Puis gros travail là, je dis, hein, l'irait poser sous la police avec l'armée d'Haïti. Puis gros travail, les dénicher, démantibiler, gang criminel yo, li reposer sous toi la police, sous toi la médaïti, des Ibenes. La citation porte-parole adjoint la police, ça voulait parler de Lionel Lazare, confirmé, et ça qui est pour avec arrestation, et 10 septembre passé à Oudi Altidor, à Kablodi La Douceur, dans quatre enquêtes que la police a mené sous question assassinat, Jean et Draman Simon, yon étudiant qui t'a perdu la ville, dans faculté technologie, avec ça qui est pour avec fusillade qui t'a faite dans faculté droit, UEH, yon arrêté de Mounzaïo, dans Riel Vaillant, dans Port-au-Prince, selon information que Lionel Lazare les partager Blaise Peterson sous ensemble travail que la police continue à faire dans tout dernier jour c'est pas bandit qui tombé en bas coup de zame la police ou a jeune information qui montrait que la police a marré des monde coucrab soit des faux policiers à cap faux policières ou bien des vrais policiers qui pratiquement rentré dans des bagages qui louche en dedans pays parce que la police toujours était en mode d'opération dans grand quartier général Gagno dans Badelma dans Solino dans Cité Soleil dans Berlin dans le fort national, depuis ce côté qui a fait des gangs, dans le Grecier, même dans le fort parisien, la police mobilisée dans les organes pour prendre contrôle de la situation. La situation de gros conseil ministre qui a été faite dans la journée hier, et bien qui renvoyé pour vendredi cap venir d'après ça, sous le gouvernement rapporté et dans l'agenda que tu as quelqu'un pour être capable de discuter jeudi, et bien staff rédaction te entendre pour nomination, membre KIP et puis établissement commission vérité à 14e mois pour employer l'État pour être capable de commencer année l'école qui pratiquement pour gagner pour venir, c'est ça que tu as parlé dans l'agenda que tu as discuter. Qui dans le conseil ministre qui renvoyé. La situation de l'OCNH qui a porté à travers une lettre, yon démenti, ça qui fait quoi qui a été ignoré et une rencontre qui a été de fait. Et si ça d'août passé à et dans une réunion travail avec POHDH sous mécanisme pour nommer un représentant secteur de Amoun dans le conseil électoral provisoire d'après OCNH. Information POHDH là rapportée dans une correspondance qui datait 23 août qui était adressée membre conseil présidentiel transition. C'est une erreur. Comme preuve, il y a gagné une copie, liste présence pour rencontre au CNH avec POHDH, t'es fait jour qui était 6 d'août 2024. Ça veut dire, mon yon continue à goumer entre eux. Yo continuer à bataille qui a bien que situation pratiquement vient plus compliquée parce que yo pas qu'à parler d'élection monter KIP pendant situation toujours été très difficile dans ça qui concerne question et sécurité dans ça qui vient pour avec économie avec développement banque interaméricaine et développement nous voulons parler de BID qui organisé hier dans Washington une conférence sur développement économique en dedans pays d'Haïti c'est à travers secteur privé qui regardé question ça pendant conférence là qui déroulait eh bien avait matin dans quartier général BID là personnes participant ont discuté sous plan banque là avec organisation internationale gain pour appuyer développement économique dans le pays d'Haïti dans le moment il a essayé sortir d'une crise insécurité qui pratiquement dépassé en pile et tout secteur pratiquement à victime de l'événement est concentré tout d'après et sa bide de fait qu'on est eh bien sous qui Jean pays hémisphère occidental capable aider Haïti dans le développement économique et bail j'arrête à travers commerce à mobilisation ressources que Haïti gagne bide continue pour le faire qu'on est blessé personne et pendant 5 dernières années qui sont passées, eh bien, RAD qui exportait, sorti Haïti pour aller en États-Unis, eh bien, il représentait 3 cas total produits que Haïti est exporté. Et puis, il fait quoi? Gagner 5% produits nationaux, oui, qui sans doute déplacés pour Algérie. Et regardez toutes les questions industrielles là, qui baillent aux environs, la situation, 60 000 monde emploi en dedans pays. Et il fait quoi? C'est 5e secteur
officiels travailleurs qui gagnent dans le pays d'Haïti. Entre l'année 2006 et l'année 2023, l'exploitation RAD qui sortit dans le pays d'Haïti pour aller aux États-Unis a augmenté de 64% selon la Banque Interaméricaine de Développement, tandis que l'investissement étranger direct a augmenté plus de 4 fois la valeur d'exploitation, ça qui était la cause, plus de 16 000 nouveaux jobs qui viennent créer en dedans pays d'Haïti. Et ça fait que vous croyez que c'est important pour investir dans ce sens-là. Parmi les responsables qui ont participé dans la rencontre ça avec Biden, ancien parlementaire américain, Christopher Dodd, et puis qui s'est conseiller spécial président et les États-Unis d'Amérique, là, on voulait parler de Joe Biden, gagné et Alex Sia, la tortue, qui est secrétaire d'État, adjoint américain pour, et ça qui vient pour avec question commerce international, acte développement, et puis député démocrate dans l'État Floride, on voulait parler de Sheila et chef Phyllis McCormick, qui était participé dans la rencontre, c'est là qui était déroulé pour le TC. Donc, regardez, et qui position que vous prenez pour permettre que, et commerce avec le développement, c'est un vecteur qui va permettre que les pays soient dans ça qu'il y a. Dans cette situation, on croit en pile haïtien qui a gardé tandem et quitte en République dominicaine, quitte les États-Unis d'Amérique, eh bien, dans le moment, et peuple haïtien qui immigré dans le pays des États-Unis d'Amérique, et spécialement dans la zone Springfield, et qui pratiquement dans Ohio, dans cette situation, oui, il y a des situations très difficiles dans le moment par rapport avec un propos et diffamatoire, sexisme, à travers des propos et qu'il y a fait sur pour capable de diminuer comme monde. Eh bien, gagné et ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti. Dans une autre ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, il a été entendu pour te voyer. Il a rappelé quelqu'un dans tête et Dominique Dupuis, qui mettait d'ailleurs une lettre pour journée. Mercredi 11 septembre hier, les personnes, il fait quoi que le gouvernement exprime préoccupation que li gagne après déclaration discriminatoire, plusieurs politiciens américains fait contre haïtiens, ok? Et non, diaspora, particulièrement, si là, yo, qui a vivre dans Springfield, Ohio, et puis, li, malheureusement, il fait quoi? C'est première fois qu'un patriote, nous, qui a vivre dans pays étranger, a victime des campagnes, ça, yo. Haïtiens, campé ensemble pour nous dire, avec une seule voix, que nous c'est moun. C'est ça, ministre a écrit ensemble avec organisation qui dans diaspora qui dit il a évalué toutes les stratégies possibles pour capable aider compatriotes haïtiens qui pratiquement dans ville ça dans cette ça qui victime des actes intimidation avec moun qui a discriminé tout pour capable ouais qui gens qui cap sorti parce que yo fait quoi que ça cap gain gros conséquences sur la vie moun ça cap connaît des situations très difficiles par rapport avec et causer si là cap tirer sur là connaît dans et débat. Un plus gros débat que Donald Trump avec Kamala Harris était organisé dans la journée avant hier, dans la soirée avant hier, les personnes, eh bien, ou après, un pile propos sorti dans la bouche de Donald Trump et surtout contre les immigrants. Il n'y a pas des immigrants qui, en général, qui sortent tout partout, mais. Oui, à, les haïtiens seulement. Les haïtiens seulement. Très bien. Très bien. Mais pour haïtiens, ils ont estimé, c'est une insulte, les messieurs ont parlé des mondes, surtout immigrants, et ont pointé droite, en pile fois, dans. Et c'était ça, puis on dit c'est haïtien, en plus fois, qu'a mangé canard, qu'a mangé chat, qu'a mangé l'autre animal sauvage. Oui. Mangé chien. Oui. Bon, ça, c'est pratiquement vexant, qui permet en plus haïtien à dire avec autorité qui est dans le pays d'Haïti, prendre responsabilité qui permet au moins que vous capable de retourner la caille parce que c'est une situation difficile qui mettait au dehors. En République Dominicaine, les situations de situation pas douce du tout. Ah oui, ah oui. Des compatriotes, nous. Ah oui, ah oui. Je veux dire, nous pas gagner des coureurs. Exact. Bagala très 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 difficile pour haïtien qui vivent Saint-Domingue. Il a couru presque chaque jour en République Dominicaine. Depuis que tendez mais immigration qui est légale ou illégale, il est obligé à courir. Je dis à l'important pour ministre Affaires étrangères, madame Dominique Dupuis, pencher sur la situation ça. OK? Parce que cette situation difficile qui cause en pile haïtien à la République Dominicaine. Nous sentons qu'elle est absurde, je dis à même que Amnesty International, c'est déjà attirer attention République Dominicaine sur le comportement qu'il y a eu contre immigrants haïtiens qui sont en République Dominicaine. Jusqu'à présent, il y a continué avec le comportement qu'il y a eu contre compatriotes haïtiens qui ont pris des situations très difficiles. Ensemble des vidéos que vous avez regardées qui sont très choquantes, les situations pour façon qu'il y a traité compatriotes en République Dominicaine. C'est pour ça, dans quatre émissions, ou même qui en République Dominicaine, qui vivent des situations, partagez témoignages dans les commentaires. Même ou même tout, qui aux États-Unis d'Amérique, ou même qui pratiquement Mexique, OK, ou même qui Nicaragua cap connait des situations très difficiles, ou même qui Chili qui c'est haïtien cap garder cap tendez à travers mes sacs nouvelles. Blaise info, pas une nouvelle, votre calbas info, racine nouvelle Haïti, partager témoignage qui permettre au moins plusieurs l'autre monde qui dans communauté arriver comprendre pour faire solidarité avec nous-mêmes qui dans situation difficile côté nous.
Désir, nous allons venir tout dans l'émission avec une interview que ça a quelque temps que ancien DG de la police, Monsieur Mario André Solteba avec confrère nous Wendell Théodore. Et sous situation insécurité, bien ça a quelque temps oui, mais Jean que Mario André Sol connaît qui t'est passé comme ancien DG de la police, qu'elle t'ai fait n'importe 7 ans dans la police, 7 ans comme DG de la police et il t'ai fait un travail que en pile monde pas jamais raï et t'es après ce travail Mario André Sol parce que nous gars permettre mon yo retendre revivre question déclaration ça cap utile et moi c'est quand même capable tirer leçon de lui. Manque PNHA et puis ancien candidat à la présidence tout. Exactement. Mais avant nous venir avec Mario André Sol et point ça, nous voulons toucher le désir pendant un petit temps. C'est situation compatriotes haïtiens, nous, ni États-Unis, ni Saint-Domingue. Et les États-Unis, comme je dis, focus dans le métier sur Springfield, dans l'État. Mais et pas seulement là, yo. C'est dans tout. C'est quand des États, gain de haïtiens, cap victimes, peut-être. Non, bon côté de Black Américain, mais bon côté de Américain raciste, tout ça, j'ai qu'une contente des témoignages, tout bagage ça, yo. Est-ce que vous comprenez? Bien que, yo qu'on garde tout comportement haïtien ou tout, qui pas fin contre trois, bon, c'est pas un petit bagage. Les gens liés, hein. Mais pas oublier. Et me songe, si me pas trompé, me désolé, de dire ça dans l'émission de faire, y'en a mis de jeûne, hein. Dans les années 90, commençant les 90, m'kwè te gagné l'État américain à l'époque, te dit, c'est nous pote maladie. Et nous pote maladie ici, oui. Maladie, nous connaît maladie 4 lettres là. Je te dis, nous pote le bayou ici. Alors, ce que le ça, te gagné gros mouvement que te fait dans New York, dans pile côté États-Unis. C'est pas première fois que deux chefs d'autorité passés États-Unis, soit comme sénateur républicain, comme sénateur démocrate, comme député, comme congressman, congresswoman, comme président républicain, comme président démocrate, qui souvent parlent des immigrants, mais comme si tout le monde y a petit spécialement sur Haïtien. Donc, Donald Trump, je dis, hein, il va prendre mes froids, il a fait des déclarations sur Haïti. D'accord, récemment, il était président, il était traité Haïti comme trou de merde, latrine. Ça n'est les tout cas, il était traité de ça. Ça t'est levé plus dans pile haïtien, pile bagaille. Mais après. Tu étais un citoyen qui était sénateur naïf, qui était un passeport, qui était un visa américain, celui qui était pris, il était boulé. Exactement. Ça veut dire, ça, c'est les bagailles. Il avait même tout que, faut nous gommer pour la caille nous bon, faut nous gommer comme haïtien côté nous yéyan. Pour une communauté haïtienne qui représentative, qui représentable et qui capable de représenter dans quel que soit côté lié aux États-Unis, à quel que soit niveau, quel que soit espace, non. Parce que les communautés qui forte, qui organisée, qui structurée, ok, ça veut dire que les ça vont gérer nous. Mais en même temps, tout, faut ranger la caille nous tout, oui. Faut ranger la caille nous. Parce que si nous ranger la caille nous, on va d'accord avec que nous ne pouvons jamais prendre pour moyen. Nous avons regardé l'économiste Etienne Emile qui a présenté 5 pays qui ont une plus grande économie dans la région, là, dans l'Amérique, là, Amérique du Sud, mais Amérique centrale. Il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a le Colombie, il y a l'Argentine, il y a le Chili. Moi, je me dis, non, Colombie et Brésil, Mexique et Colombie, Argentine, Chili. C'est un pays qui fait fortune tout sur les immigrants. Mais c'est des pays, je dis, là, en Amérique du Sud et Amérique centrale, qui, je dis, c'est ces gros économies gagnées dans le continent, dans la région bloc noir là, en Amérique centrale et Amérique du Sud. Mais qui est-ce qui fait ces immigrants? Mais c'est l'État pays, ça, autour, qui est conscient, qui dit, OK, il a fait pays. M'a songé, m'a regardé récemment, on a essayé qu'à m'expliquer, dans les années 1960 et 1950, Chili était en bouleverse. En pile Chili, t'as quitté Chili, allant vin États-Unis, à l'autre côté, pour être capable de sortir en bas grippe dans le moment, ça t'a passé dans le pays Chili. Mais t'es concentré force, yo, et Chili était dans le pays à l'époque, eh bien, yo travaille ensemble avec ça qui est en dehors pays, hein, pour yo faire Chili vin salir là. Et c'est ça le besoin. C'est que si gagne de monde qui conscient, qui honnête, et qui veut être avec qui veut l'autre Haïti. Ça, deux, yo, quatre cavaliers avec pendant Haïti, hein, pour faire l'autre Haïti, oui. Mais malheureusement, ceux qui veulent voler en Haïti, gardons question de la c'est là, prend sous nous, la diaspora. Ça, vous fait avec. Pendant les voler, et puis l'âge, il envoie l'argent, bah, nous, famille Haïti, de la c'est quand FN, y a peu d'effet bagaille avec lui. Alors, ce que gardez l'État qui veut l'école publique et lycée, regardez une situation, si vous n'avez pas prendre.
Mais il va pas déranger la diaspora, non? Si dollar c'est dans l'air au prendre, il était vraiment